Hey, salut tout le monde, aujourd'hui surtout pour une petite vidéo, pour une vidéo Minecraft, et c'est pour un tutoriel. Donc ça fait assez longtemps, même assez longtemps, en mai 2016, je vous ai mis une vidéo qui concernait comment faire un avion dans Minecraft Pocket Edition. Je n'avais pas encore de pack de texture, donc je vais voir ça si vous voulez. Et j'avais dit dans cette vidéo que si on atteignait les 50 vues, je faisais une vidéo pour comment faire un avion de chasse. Et on y est arrivé. Donc je me suis dit pourquoi pas le faire, cet avion de chasse tout simplement. Parce que voilà, je pense que ça va vous plaire. Donc on va faire la première partie, je pense pas qu'elle va se faire en une partie. Donc c'est parti pour la première partie. Donc pour le matériel dont vous aurez besoin tout simplement, premièrement, d'argile durcie cyan, de dalles du nether, d'escalier du nether, de briques du nether s'il vous plaît, et puis de blocs de briques du nether, et puis pour l'instant ça suffira. Alors on va commencer par faire premièrement le devant de l'avion. Donc on va se mettre comme ceci, on va faire un avion qui sera quand même un petit peu en hauteur. Donc là, dire que là ça sera son devant comme ceci. Donc on va le remplacer par une dalle. Comme ceci, c'est toujours bien de commencer comme ça. Donc après, on va l'agrandir un tout petit peu pour vraiment pour donner l'air de quelque chose comme ceci. Et après, tout simplement, on va tout de suite donner à faire mettre des vitres là, encore un peu au-dessus et encore un peu au-dessus. Enfin non. Comme ça, et après on va rajouter des dalles dessus pour donner vraiment quelque chose de comme ceci. Par la suite, nous allons mettre des dalles pour continuer notre chasse, en l'agrandissant un tout petit peu comme ceci, et en mettant des dalles toujours dessus. Et pas être énorme hein, notre avion, comme ceci. Et après, on va le fermer en faisant comme ceci, en enlevant ça et en faisant comme ceci pour l'instant. Par la suite, on va faire la même chose là. On va agrandir comme ceci. Comme ceci. Et par la suite, on va faire donc tout le sol. Donc tout le sol va être comme ceci. Hop. Voilà. Après, pour faire les murs, on va utiliser de l'argile durcie cyan qu'on va mettre juste ici, et donc on va mettre un petit peu en hauteur parce que j'ai trouvé que c'était pas mal pour faire un petit peu d'aération. J'ai trouvé, après voilà, comme ceci. On va rajouter la même chose pour le mur encore. À faire trois tout simplement trois petites épaisseurs, si vous voulez, trois blocs de hauteur. Et si on atteint à cette vidéo tout simplement 50 vues, enfin non, si on atteint, allez, 70 vues,
Je vous ferai une petite vidéo qui vous montrera comment faire à l'avion toujours, mais cette fois, comment dire, un peu mieux. Ce sera comment faire un avion. Ce sera comment faire un avion de l'armée. Donc j'aurai pris une photo et voilà. Mais en tout cas, je pense que ça va vous plaire. En tout cas, j'espère. Mais voilà, ça va vraiment être... si vous donnez 70 vues à cette vidéo et à cette vidéo, vous obtiendrez tout simplement 5, vous obtiendrez un avion de l'armée en tant que tel. Cette vidéo va durer assez longtemps, elle va être postée demain matin. Donc c'est-à-dire dimanche matin. Parce que là je la fais samedi soir, parce que j'avais envie. Mais elle va être postée en assez longtemps, donc voilà. Donc en tout cas, pour le toit, vous avez qu'à rajouter une petite épaisseur avec vos dalles du Nether. J'ai trouvé que c'était pas mal. Avec vos dalles du Nether, de briques du Nether, ce que j'ai. Dalles du Nether, non, c'était pas des dalles. Et donc vous les rajoutez pour le toit de votre avion. Pour l'instant, on est complètement dans les temps. Je sais même pas si je vais le faire en deux épisodes ou en un épisode. Désolé. Mais je sais pas trop. Ça va être un avion de l'armée que je pense que je vais bien aimer. Parce que c'est un avion de l'armée. En fait, je pense très joli. Donc je mets des dalles un peu partout. Des dalles du Nether un peu partout. Pour que ça me donne ceci. Alors, il est assez ouvert. Mais il va bientôt être plus petit, bien sûr. Bien sûr, hein, parce que... Voilà. On rajoute des dalles du Nether un peu plus dessus. Alors il est ouvert en dessous parce que je voulais un peu laisser quand même des ouvertures. Après par la suite vous allez faire donc les ailes. Donc pour ceci vous utilisez des dalles du Nether, vous faites comme ceci, voilà. Et vous faites comme ceci par la suite. Comme ceci. Et après avoir fait ça, vous montez d'un cran à chaque fois en fait. Donc là on va faire comme ceci, ça suffira je pense. On a deux, là un. Enfin, après, je sais pas trop, attendez. Là un. Là un. Et là un. Et je trouve que ça fait assez joli. Alors maintenant j'ai plus qu'à compter combien ça fait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Donc à partir de 2 à 2. Ok. Pas comme ceci, mais comme ceci. Comme ceci. Donc à 2. Non, pas comme ça. Comme ça. Attendez. Ouais, ça doit être ça. Je vais voir. Ouais, c'est ça. Et à part la suite, vous allez simplement continuer en mettant... Donc là, c'était 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est bien comme ça. Et après, on n'a plus qu'à mettre de différentes tailles. Comme ceci, parce que j'aime bien faire ce style d'aile, d'avion. Je trouve que c'est quand même pas mal. Donc voilà pour cet avion de chasse, premièrement. Par la suite, vous allez mettre la petite touche, que je trouve vraiment pas mal. Vous allez mettre un escalier à l'envers.
Donc sur la dalle comme ceci, enfin un escalier comme ça. Après un escalier à l'envers. Pour ceci, je ne sais pas comment vous faites pour le faire, mais voilà. Moi j'utilise un support. Si j'utilise comme ceci. Après, c'est un petit peu plus compliqué. Pour après faire comme ceci et mettre tout simplement quelque chose qui fasse les réacteurs. Donc c'est assez compliqué, mais ça peut se faire. Attendez. C'est vrai que c'est assez compliqué. Attendez. Hop, donc là, on va faire comme ceci, vu qu'on a que cette solution. Voilà. Donc cette solution-ci. Hop. Ah bon. Vous faites donc comme ceci pour faire un peu les réacteurs. Et je trouve que ça fait assez joli. Ça vaut un petit cachet à la chose. Par la suite, nous allons commencer par faire les petits de portes d'entrée. Donc moi je commence à faire l'intérieur en fait. Donc pour ceci, faites comme ceci, mettez des portes de votre choix. Moi j'ai choisi de mettre celle-ci, mais après c'est votre choix, c'est vous qui choisissez. Désolé pour la nuit, on va remettre tout ça. Donc cette vidéo va durer assez longtemps, mais voilà. Donc on va entrer dans ça tout de suite. Attendez. C'est juste pour m'aider à rentrer, après voilà. C'est pas très grave, on n'a pas trop besoin. Donc là, on va mettre un escalier. Ça, comme ceci. Donc pour la première salle, va être le moniteur, on va dire. Donc pour le moniteur, bien sûr, il va falloir faire comme ceci. On va mettre sur une dalle. Là. On va commencer par mettre les dalles au-dessus comme ceci, et là commencer à mettre une petite dalle pour pouvoir monter. Après on va mettre tout simplement ceci, donc deux sièges qui sont contre mur pour faire le siège des sauveurs et le siège pour conduire. Après, on n'oublie pas de rajouter une dalle s'il le faut en dessous. Comme ceci. Hop. Voilà. Et là, bah, vous faites à peu près la même chose. Vous mettez quelques petits sièges, mais j'ai pas. On n'est pas vraiment mis. Je vais pas trop en mettre beaucoup en fait, parce que je trouve que pas besoin de beaucoup de sièges. Puis voilà, c'est juste pour faire quelque chose de normal. Donc après, vous remplissez tout le sol et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de liker, commenter, partager. Tout ça serait, ça me ferait énormément plaisir. Et maintenant, bye. N'hésitez pas à mettre 70 vues. Et si ça vous dit vu, un avion d'armée. Bye!